Et salut tout le monde, salut YouTube. On est reparti pour monter. Pour monter dans la tour. Et du coup, il nous reste juste monstro à faire. Du coup, no choice. No choice. Juste monstro. Quel drôle d'endroit, c'est tout mou et tout visqueux. Et puis c'est doux et chaud, je ferais bien une petite sieste. Vous avez du souci à vous faire. Qui va là? Vous êtes dans le ventre de Monstro la baleine. Oh, je connais cette voix. Pinocchio? Pinocchio, c'est toi, montre-toi. C'est toi, Jiminy? Je ne pensais pas te revoir un jour. Tu ne peux pas te séparer de moi. Je suis ta conscience et je guide chacune de tes actions. Tu le sais bien. Bien sûr, Jiminy, tu sais, j'ai été très sage en ton absence. Je n'ai pas dit un seul mensonge. Putain. Oh. Ah là là. Oups, mais au fait, comment avez-vous atterri dans le monde de dans le ventre de Monstro? Oh, bah, on est passé par un passage secret. Un passage si secret qu'on ne sait plus où il est. Quel dommage, j'espérais que vous nous aideriez à sortir, père et moi. Mince, alors Geppetto est ici aussi? Oui, suivez-moi. Clé d'ouverture. C'est parti. Monstro. Pour une fois, on commence pas le niveau par un combat de 1000 monstres. Waouh! Il s'occupait de lui. Et après le reste. N'est que fioriture. Que des cartes à 0 et à 2 quoi. Super les amis quoi. Ah oui, on a le génie, c'est vrai. Testons le génie. Il fait gravité. Ah oui, il fait soit stop, soit gravité, ça je sais pas quoi. Un stop? Ah ouais, c'est un stop. Trop drôle. Oula. T'as un régiment. Ou foudre plus, ouais c'est vrai. C'est ça, c'est soit foudre plus, soit stop plus, soit gravité plus sûrement. J'imagine. Oh, une carte Keyblade. 0. Ouais, pas ouf. On a dit 0, pas ouf avec notre gameplay. Hein. Ça sent d'autres mobs qui vont arriver. Ah non, même pas. Pas du tout, pas cette fois. Yeah,
Fais la toupie. C'est vraiment pas mal ce que j'ai quand même. Mon deck est vraiment cool, je pense. Si j'avais plus de... Si j'avais plus de sorts et tout, ça serait bien aussi. Plus de sorts ou d'attaques. Qu'est-ce que je pense que c'est full ok. Ah, il y a peut-être des monstres ici. Et... Donald 9. Qui me fait un soin alors que je suis full life et qui fait un... Et qui fait un glacier sur un mob sous terre. Génial. Quoi? Ah oui, parce qu'il devient 1. Ah ouais, il est full 0, c'est trop chiant. Putain, s'il lui fait foutre, ça va le régène. Voilà. Génial. Merde, putain. Des fois, je vais faire les choses tellement bien qu'au final... Au final, elles sont nulles. J'ai perdu de la vie et tout. C'est pas bien worse. On va se mettre deux seuls coffres, hein. on en a plein. Autant les utiliser, je pense. Hein. Ce serait dommage de pas les utiliser, je pense. Parce qu'au final, on n'a pas vraiment besoin d'XP pour l'instant. Plus des cartes fortes en fait qu'il nous faut. Toi, est-ce que t'as une carte forte? Venez-toi la 1. Genre ça, c'est vraiment pas une carte forte. Genre ça, par exemple, c'est vraiment de la merde. Sora a appris Estoc-feu. Oh, un pouvoir. Putain, je savais même pas que c'était possible ça. Brasier plus carte attaque plus carte attaque. Ok. Ça m'étonnerait que j'y fasse un jour. Mais... c'est pas... Peut-être un jour. Je vais mettre full ça le coffre. Brasier 2. La plaque. La blagounette. Qu'est-ce qu'on a? Bah parfait. On est allé au bon endroit pour une fois. Merde.
égale à 3 égale à 4. Gepetto. Ça par exemple, mais c'est Jiminy Cricket. Comment es-tu arrivé là? Et vous, que fait donc un horloger dans le ventre d'une baleine? C'est une longue histoire. Vous êtes parti en mer pour trouver Pinocchio, et Monstro vous a avalé. Oui, mais j'ai retrouvé mon fils, je ferai tout pour lui. Mais maintenant, vous ne pouvez plus sortir. C'est être affreux d'être coincé dans Monstro. Pas vraiment, car je suis avec Pinocchio, sa présence égaye ma vie, vous savez. C'est important d'être avec ceux qu'on aime. Je suis bien d'accord. Je me fiche d'être prisonnier tant que j'ai Pinocchio, c'est un si gentil petit garçon. Il raconte toujours des sornettes, mais avec mon aide... Jiminy, tu te fais trop de soucis. D'ailleurs, où est passé Pinocchio? Il était là il y a une minute. Où est-il encore passé? Il a sûrement exploré les lieux et ce garçon a fouillé le moindre recoin de cet endroit. Il refuse de me dire pourquoi. Je lui ai dit que c'était dangereux, mais il ne m'écoute jamais. Ce garçon est incorrigible. Sora, si tu veux bien. Oui, j'ai compris. Tu comptes à le retrouver. Allez les amis, en route. En route. Les conseillères, Sora a pris super saut. Très bon, très bon. Très bon, très bon, très bon. Qu'est-ce qu'on tente celle-ci de porte? Peut-être. Peut-être que la suite est ici. Qu'est-ce qu'on a? Joker, Twin, Salmog. Salmog, je pense que j'ai pas assez de trucs. On va utiliser encore... Tiens, j'ai 4 sets. Utilisons une set. Et est-ce qu'on peut avoir une bonne carte SVP? Brazikat, c'est bronze. Pas bien de cartes, pas bien de cartes. Gravité 5. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais je ne l'utiliserai pas. Est-ce que nous sommes au bon endroit? Pas du tout. Point du tout, mon cher. Est-ce que ça repartirait pas sur un local apaisant? 8 ou plus. Bah 9 du coup. Niveau full local. En même temps, si je les utilise pas, du coup, c'est... Entre guillemets, c'est pas worse, quoi. Parce que du coup, j'ai potentiellement des ressources sur moi, quoi. Non utilisées. Alors certes, je vais pas gagner d'XP sur ce niveau, mais... Mais bon... Si vraiment j'ai besoin d'XP... Cher XP, putain, chaîne royale 3. Glacier 5, pas ouf. Pas ouf. Égal à 0. Bah tiens. Que j'aurais pas un local apaisant égal à 0. Popo 3, nice. Ah, on de la merde. Bonne étoile 5, pas ouf.
Pas ouf, pas ouf. Petite bonne étoile 8 ou 9, ça pourrait être pas mal. Même 7, même 6. D'ailleurs, je crois que j'en ai des 6. Hein. Est-ce que je rajouterai pas, par le plus grand des hasards, les Keyblade 6 qui sont au final à 7 avec ombre. J'ai le droit de faire ça. Hein. J'ai le droit. Ouais, en vrai, ça fait des scores 7. Hein. Au final, c'est pas si mal. On va pas cracher dessus, quoi. Bon, retirons là. Faisons avec ça. Ça rajoute au combo, c'est bien. Ok, donc là on est sur la mob finale. Du coup, c'était pas là. J'imagine qu'il faut que j'aille par là. Ça doit être ça. Ça doit être ça, je pense. Carte 9. Oh putain, nice. Enfin, après 3-4 locales apaisants, voire même 4-5. Avec des cartes de merde, bon, pour le coup, du coup, c'est une très bonne carte, quoi. Pour le coup, c'est une très bonne carte. J'avais même pas de 9 jusqu'à maintenant. Ouais, tu me diras, des 8 ça suffit. Vu que je fais les plus 1, mais bon. Au final, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Supérieur, est-ce que ce serait pas encore un local apaisant par le plus grand des hasards? Ok, ça doit être là. Y'a rien quoi dans les trucs. Y'a rien, c'est de la roule. Allez. Super. Bonne étoile 5. Un de plus ça aurait été bien, honnêtement. Un de plus ça aurait été vachement bien. 6 et 7. Thank you.
haut. Pinocchio, vilain garçon, tu sais pourtant que Geppetto se fait du souci pour toi. Jiminy s'inquiétait aussi. Désolé. Et que fais-tu d'ailleurs? Tu cherches quelque chose? Oui, je cherche un trésor. Et boum. Chromito, ça recommence. Mais Jiminy, sois pas trop sévère avec le petit, Jiminy. On te promet de ne pas se fâcher. Pinocchio, tu as peur de parler? Ne crains rien, dis-nous la vérité, on comprendra. Fais confiance à Dingo. Je cherche un moyen de sortir. Père dit qu'il est heureux, mais c'est de ma faute si on est coincé ici. Je n'aurais pas dû m'enfuir de la maison. Je vais aider Père à rentrer à l'atelier. Mais il s'inquiéterait pour moi si je lui dévoilais mon plan. Donc c'est pour ça que tu as menti. Par amour pour ton père. Il te faut du courage. Quoi? Dis la vérité à Geppetto. Avec un peu de courage, tu y arriveras. Explique-lui ce que tu veux faire et je parie qu'il t'aidera à trouver un moyen de sortir. On va vous aider. C'est vrai? Vous nous aiderez? D'accord. Souhaite-moi bonne chance, Jiminy. Maintenant, suffit les cachotteries, d'accord? Oui, je serai courageux, je dirai tout à père. Finis les mensonges. Fantastique. Alors, ton nez ne... C'était quoi, ça? Ça sent le roussi. Pinocchio, sauve-toi. Et boum. Captured. Pinocchio. Je suis pris au piège. Quoi? You are pris au piège. Oh, ça tourne. C'est bon. On l'a explosé. Allez, avec. Il va nous faire un petit foudre plus, il va être gentil. Non, même pas. Aïe. Dommage. On a pas eu de chance sur le. Sur le génie. Mais bon, ça s'est bien passé tout de même. Pouette, 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 pouette. Parasite au cage. Parasite au cage, je pense, plutôt. À l'aide, j'ai peur. Courage, Pinocchio. Quoi? Accroche-toi et essaie de te battre pour sortir de là. Du courage. Je vais essayer. Voilà la boss. Trop fort, Pinocchio. Trop fort. Pinocchio, tout va bien? Oui, ça va, je n'ai rien. Je suis juste un peu gluant. Mais ça m'a donné une idée. Le sang-cœur m'a recraché quand je me suis débattu. Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec Monstro? Oui, avec un peu de chance, Monstro nous recrachera.
Bonne idée, allons le plus loin possible et essayons. Je viens aussi. Hors de question. Oh allez, tu dois rester avec Geppetto. Ça ne sert à rien de s'échapper si vous êtes de nouveau séparés. Laisse-nous faire. C'est vrai, tu as raison. Soyez prudents, les amis. La clé véridique. Pouet les pouet, pouet, pouet les pouet, pouet, pouet les pouet, pouet, pouet les pouet. Empêche les ennemis que vous utilisez. Empêche les ennemis. Putain, c'est vrai que j'avais pas regardé. Empêche les ennemis de briser les cartes attaque que vous utilisez. C'est quand même extrêmement fort. Mais vu que je joue un gros deck, ça arrive tellement rarement quoi. L'autre que j'ai eu, c'était celui-là. Détruit la carte malus de l'adversaire à coup sûr. Ah, ils ont des cartes malus les adversaires, je savais même pas. Je ne savais même pas. Ça peut être fort en vrai. Je sais pas trop ce que c'est les malus des boss, mais. Enfin des ennemis, mais. Mais ça peut être pas mal. Bon, je suis complètement perdu. Où est-ce que je suis là? Il faut qu'on aille là-bas. Du coup, je sais pas trop. Là-bas, j'imagine. Plan. C'est ça. Il faut que j'aille là-bas. Ça fait un T. Du coup, il faut que j'aille là-bas. Non, c'est pas celle-ci. On s'en souvient, c'est plus loin. Lave-la. Waouh. Une carte rouge, 3 ou en dessous. Ok, donc on peut envoyer la 0. Et il faut 30 en vert. Putain, heureusement qu'il faut pas 30 en rouge parce que je crois que j'aurais pas. Je les aurais pas assumés. Alors écoute, là on a un 9 déjà pour commencer. Qu'est-ce que. On va mettre un peu ce qu'on a en double, ou en triple, ou en quadruple. Juste un 9. Celui-là. Et on est plutôt ok. J'ai l'impression qu'on va manquer de cartes au bout d'un moment en fait. On ne peut pas aller plus loin. Vous êtes prêts? Allez, faisons du grabuge. Ce serait plus facile si on avait quelqu'un à affronter. Ah, il tombe à pic, pile quand on a besoin d'eux. Lutte intestine de monstres. Battez les 5 coeurs pour remplir la jauge. Remplissez la jauge dans le temps imparti. Attention, la jauge se vide au fur et à mesure. Voilà, j'ai eu Dumbo. Trop drôle. J'ai eu Dumbo 4. Ça a marché, monstre va éternuer. Maintenant je sais ce que ça fait d'être propulsé comme un boulet de canon. Où sont Pinocchio et son père? Ils sont plus là, ils ont dû réussir à sortir.
Sans toi, Gemini, je croyais qu'on ne pouvait pas échapper à sa conscience. Peu importe si je reste de côté tant qu'ils sont sains et saufs. Pinocchio n'a peut-être pas besoin de moi après tout. Que veux-tu dire ? Ce petit pantin avait des difficultés à distinguer le bien du mal, mais il a fait du chemin depuis. Je ne suis sans doute plus indispensable. Il semble qu'il ait développé sa propre conscience. Tu as oublié ce qu'a dit Geppetto ? C'est important d'être avec ceux qu'on aime. Je parie que Pinocchio a plus que hâte de te retrouver. Oh, tu crois, tu as sûrement raison. Récompense d'après boss. Glacier 5. Pas ouf, hein. Tiens, voyons voir Dumbo. Qu'est-ce qu'il fait, Dumbo? Est-ce qu'il est cheetah? Dumbo arrose les ennemis pendant un court instant. Ok. Ok, ok. Sauvegardons. Et je vais mettre fin à la VOD aussi. Ok? Des bisous sur YouTube et à bientôt!